kingdom of the darkness, the works of night, seek who to destroy. Agent of the darkness, the mind is from the waters. We give and take, as a one year from 1 million. We bring blood stained for wealth, anything you need, you get. Unite of the darkness, terror in the darkness, and we give and take. We suck blood in the stained for wealth, as a one year from 1 million. Bon après-midi. Comment a été l'école aujourd'hui? Très bien. Maman. Attends. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? C'est juste. Non. C'est juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste, c'est. Maman, s'il te plaît, dis-nous qui t'a fait ça. Non. Je sais que c'est papa. Oui, c'est papa. Je sais que ce monstre t'a fait ça. Et tais-toi. Comment peux-tu qualifier ton père d'un monstre? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il reste votre père. Au fait, allez saluer votre père à l'intérieur et allez lui présenter vos excuses. Jamais! Jerry ne va jamais présenter une quelconque excuse à papa. Écoute, maman, nous fûmes à l'école et on nous a enseigné que tout homme qui s'amuse à frapper sa propre femme est un monstre. Et donc, pas est un grand monstre. Qu'est-ce qui vous arrive tous deux? Qui a dit ça? Non, qui vient de dire ça? Je répète, entre vous deux, qui m'a appelé les monstres? Chérie. Je ne t'ai pas appelé. Non, maman, pas de secret, je n'ai pas peur. Papa, notre maman n'est pas une esclave. Tu peux aller partout d'ailleurs, chercher un homme comme toi pour te battre et tester tes muscles. Exact! Si à moi tu parles comme ça. C'est un mortel comme ça. Mais pourquoi tu veux faire ça? Et tu dis, ce sont tes enfants. Pourquoi es-tu? Comment peux-tu faire ça? Oh! Sérieux? Tu les as envoyés de me combattre, non, n'est-ce pas? Je suis en train juste d'essayer de t'expliquer. Tu les avais envoyés? Maman! Oh! Vous voulez me battre? Ok, venez. Approchez. Vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes, Mina. Regarde ce que tu les as appris. Maman, viens. Chérie, tu m'as appelé. S'il te plaît, peux-tu enlever ta main sur moi? Je t'ai appelé parce que j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Ah, Nancy. Je veux que tu me fasses une faveur. Dès aujourd'hui, je ne veux pas que tu viennes dans ma chambre. Quoi? C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais de mal? Tu es mon mari. Comment peux-tu me stopper de venir dans ta chambre? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je veux que tu arrêtes de venir dans ma chambre. Je veux que tu arrêtes de me donner ta nourriture. Et à la fin, s'il te plaît, je veux que tu t'éloignes de moi. Oh, chérie, s'il te plaît, s'il y a quelque chose que je fais de mal, pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourquoi mon mari me traite comme ceci? Pourquoi? Pourquoi? Bonjour maman. Bonjour mes anges, bien réveillés. Bonjour maman. Maman, tu vas bien? Oui, je le suis.
Comment a été la nuit? Trop bien, maman. Maman, je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? La nuit passée, pourquoi tu as dormi dans notre chambre? Ne dis pas que papa t'a interdit d'aller dans sa chambre. Comment peux-tu imaginer de telles choses, Ugochukwu? Ok, si vous les garçons voulez savoir, je suis dormie dans votre chambre parce qu'il faisait tellement chaud dans la nôtre. Et vous savez combien j'aime bien la lumière. Maman, c'est comme si tu nous caches quelque chose. Parce que je te connais. Tu ne fais que nous cacher des choses, maman. Pourquoi? Oh, les enfants. Je ne suis pas en train de vous cacher des choses. Croyez, maman, ok? Bien sûr, vous maman. Vous savez bien qu'il y a une forte ventilation dans votre chambre. Raison pour laquelle j'étais dormie là-bas. Ok, vous ne voulez plus que je dorme là? Ce n'est pas que nous ne voulons pas que tu dormes dans notre chambre, mais... nous voulons seulement que tu nous dises la vérité. Maman, arrête de mentir. Tu sais très bien que mentir, tu ne sais pas faire ça. Alors arrête de mentir. Je peux facilement le savoir quand tu essaies de nous cacher quelque chose. Maman, tu penses vraiment que nous ne savons rien de ce qu'il se passe? Tu penses vraiment que nous ne savons rien de ce qu'il se passe entre toi et papa? Est-ce que vous êtes supposé savoir tout ce qui se passe entre mon mari et moi? Alors arrête de mentir. Ugonaya. Ugo. C'est toi qui te tiens contre moi. L'amour que j'ai pour toi est bien plus fort que celui de ta stupide maman là, qui se transforme des fois en une femme. Okochukwu, je veux que tu... Bien sûr, tu es là dans cette maison. Tu vois tout ce que ta mère est en train de faire. Dresser ton frère contre moi. Mais je suis sûr que c'est ça, n'est pas ça de notre famille. Ai-je menti? Regarde, Hugo, je veux que tu m'expliques, moi ton père. Comme père et fils. D'homme à homme. Et laisse ton frère de faire tout ce qu'il a envie de faire. Ta mère, comme tu peux le voir, elle n'est pas de notre famille. Écoute-moi, jeune homme, je veux que tu me parles, moi ton père. Tout ce que tu racontes par-ci par-là, parle-moi. Tu es mon fils adoré, je sais ce que tu racontes par-ci par-là, partout. Hein? As-tu fini? Non, dis-moi quand tu auras fini. Dis-moi quand tu auras fini de prêcher. Parce que j'ai une question pour toi. Juste une seule question. Et si tu me réponds correctement, je n'aurai aucun problème avec toi. Vraiment? Aucun. C'est quoi la question? Qui est cette femme qui n'arrête pas de te distraire de ta propre famille? Okochukwu? Ah. Es-tu malade? Attends. Es-tu surpris? Oh. Il est surpris que je sois au courant. Pas? Tu as dit que ma mère avait initié mon frère dans sa sorcellerie. Maintenant, tu essaies de m'influencer avec tes pensées machiavéliques. Écoute, papa, tu ferais mieux de te calmer. Tu ferais mieux de te calmer et montrer à ta famille un peu d'amour. Tu ferais mieux de te ressaisir et montrer à ta famille de l'amour. Parce qu'un jour, juste un jour, je le jure devant les dieux, ça va mal tourner pour toi. Ugochukwu, tu deviens fou. Ugochukwu, oh, je ne sais pas si je vis avec quelle sorte de personne dans ma maison. Nancy. Ok, je vois. Quelle sorte d'enfant est-il? Et il s'est permis de me rappeler un jour. Il y a un grand problème dans cette maison. Ça, je le sens venir. Pour tout vous dire, qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les enfants? Qu'est-ce qui vous arrive? Qui vous demande d'être grossier? Bien sûr que ce n'est pas moi. Je n'ai jamais eu ces comportements, même devant ma mère, je ne l'ai jamais fait. Vous voulez me tuer? La seconde partie, qui est tout le monde qui va vous attendre, ils croient que... Que je suis celle qui vous enseigne parce que je suis votre mère. Spécialement votre père.
Et toi, Igo Chukwu? Comment peux-tu connaître le comportement qu'obtient un homme qui voit une autre femme? Qu'est-ce que tu connais à propos de ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, vous devrez aller auprès de votre père maintenant et vous excuser. Avant qu'il ne pense que je suis celle qui vous envoie. Maman, je suis désolée. Ça ne va plus jamais se reproduire à nouveau. Mais tu sais que je dis à mon père rien que la vérité. De quelle tricherie l'accuses-tu? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vas-y, parle, non, toi aussi. Maman, quand un homme commence à se comporter comme ça avec sa famille, il y a deux choses qui s'impliquent. Soit il voit déjà une autre femme dehors, maman, ou bien il essaie juste de l'amener à la maison. Maman, c'est ce que nous avons déjà compris, non? C'est ce que nous voyons dans les films chaque jour ici, maman. Exact, maman. On regarde souvent ça à la télé. Papa va continuer et il va amener ici la femme qui lui donne de la joie. Parce que s'il continue ce qu'il fait là, maman, je vais aller à la police et l'accuser pour ce qu'il fait. Oui, hein? Oui, maman. Arrêtez de dire des sottises. On essaie seulement de t'aider. Taisez-vous. Accusez qui? Accusez qui? Votre père. Vous entendez-vous parler vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les enfants? Et qu'est-ce que signifie tout ceci, non? Pourquoi pensez-vous qu'il y ait de la sorte? Je veux que cette absurdité s'arrête immédiatement. Mais tu souffres, maman. Ne dites-le rien. Pour mon bien, arrêtez cela. Tout ce que vous devriez savoir, ne dites rien. Tout ce que vous devriez faire est de prier pour moi. Priez pour vos parents, c'est tout ce que vous devrez faire. S'il vous plaît, je vous en supplie. Alors, madame, ma présence ici a une raison. Ok. La performance de vos enfants à l'école ne fait que détériorer au lieu de s'améliorer. Contrairement auparavant, ils avaient toujours l'habitude d'être parmi les meilleurs élèves chez nous à l'école. Quoi? Mais ces jours-ci, je ne sais pas. Et de ce que j'ai découvert, ils sont émotionnellement affectés. Mais je ne sais pas quel est le problème. Mais je pense que vous devez faire de votre mieux pour vous rapprocher encore de vos enfants. Parce que leur éducation est vraiment très importante. Jésus, je suis sûre que quelque chose de mal arriverait dans tout ceci. Chidebere. Chid, pourquoi me fais-tu ceci? Chid, qu'est-ce que j'ai pu te faire et pourquoi tu me fais ça à moi? Pourquoi? Madame, y a-t-il quelque chose que vous voudriez me partager? Oui. Quoi? Oh. Bon après-midi, messieurs. Qui es-tu? Et que fais-tu dans ma maison seule avec ta femme? Oh. Vous m'avez déjà oublié. Je suis le professeur. L'enseignant oui. De vos enfants. Peux-tu la fermer? Ça, ce n'est pas la réponse à ma question. J'ai dit, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans ma maison, seule avec ma femme? Tu dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, tu la fermes. Oh, Nancy. Nancy, bravo. Tu as mené ton petit ami jusque dans ma maison. Tu veux faire l'amour avec ma femme? Mais c'est quoi ça, comme ça? Tu dis, qu'est-ce que tu es en train de faire et pourquoi es-tu en train de m'embarrer? Ferme ta bouche! Es-tu malade? Ah. Oh, on a faim, là. Non, c'est bon, je m'en vais. Tu veux ton Nancy? Nancy! Nancy! Laisse ma vie tranquille, Nancy! Laisse ma vie tranquille! Je vais te tuer dans cette maison! Ne t'inquiète pas! Maman, bon après-midi. Bon après-midi, soyez les bienvenus. Mes enfants, soyez les bienvenus. Attends. Ne vous en faites pas. Quoi encore? Comment a été l'école aujourd'hui? Mais qui t'a fait ça, maman? Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage, genre?
qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tellement fatigué. Allez d'abord vous rafraîchir. Non, maman, dis-nous d'abord qui t'a fait ça. Comme je disais, attends. Partez un peu vous rafraîchir. Pas. Oui, c'est papa, bien sûr. Qui d'autre? Je sais quoi faire. Quoi? Je vais appeler la grand-mère et lui dire tout ce qui se passe ici dans cette maison. Jerry. Oui, on va faire ça. Allons-y. Jerry. Ugochukwu. Jerry. N'appelez personne, oh. Allô, Chidi. Es-tu en train de m'écouter? La première des choses que je ferai demain matin serait de venir chez toi et tu me diras exactement ce que ta femme a pu te faire pour que tu la traites de la sorte. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi préfères-tu la tabasser tout le temps? Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas remercier Dieu pour une fois? Hein? Regarde une jolie femme et des enfants que Dieu t'a donnés. Cependant, tu ne fais que le maltraiter, le tabasser tous les jours. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Tu peux me dire, qu'est-ce qu'ont-ils fait? Pourquoi tu ne fais que la battre à chaque provocation? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, depuis que ton défunt père m'a épousée, il n'a jamais levé sa main sur moi. Il ne m'a jamais frappée, pas une fois. Il ne m'a jamais frappée en aucun jour. Je ne sais où tu as ramassé et de qui as-tu appris ces mauvais comportements. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne te comprends pas, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? De qui as-tu appris ces mauvais caractères? Je veux savoir exactement ce qui fait à ce que tu puisses la tabasser. Ne t'inquiète pas. Je viendrai chez toi à Lagos. Tu me diras clairement ce qu'elle t'a fait pour que tu la tabasses comme ça. Si ce n'est pas le cas, ce Lagos ne pourra pas nous contenir. Espèce d'agresseur que tu es. La honte. Je ne sais d'où ni de qui tu as appris ces mauvais caractères. Tabasser ta femme comme si elle était un sac de boxe. Stupide chose. Je suis sûre et certaine que ta tête ne fonctionne pas bien. Je te connerai la tête et je vais te laver le cerveau. N'importe quoi, tu prends ta femme pour un sac de boxe. Tu ne peux pas aller là dehors et battre tes congénères. C'est ta femme. Dégage de là. Tu n'es qu'un trouillard. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Tu vas épouser une fille innocente et tu ne fais que la frapper. Juste pour un rien. Comment est-ce qu'on peut agir de la sorte? Quel genre de problème est-ce vraiment? Hein? Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Bonjour madame, est-ce que vous avez la sardine? Oui, j'en ai. Oh, attends que je te le donne. Chinebere, quel est ton problème? Je me demande ce qui ne va pas dans ta petite tête. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Pourquoi tu es soudainement devenue une personne qui frappe les femmes? Où as-tu appris ces bêtises? Lève tes mains pour frapper cette femme. Es-tu fou? Hein? Depuis que j'ai vécu avec ton père avant sa mort, l'as-tu déjà vu lever sa main sur moi pour me frapper? L'as-tu déjà vu une fois me frapper? Mais toi, tu prends cette femme pour un sac de boxe et tu la frappes à toute provocation en oubliant que c'est une femme et tu le fais devant ses enfants. Que signifie tout ceci? Ha! Tu débelles mon fils. C'est honteux. Qui fait ça? Maman. Hein? Tu te dis qu'il n'y a personne qui peut parler à sa place? Parce que tu crois vraiment qu'elle n'a personne et qu'elle est tombée du ciel? Raison pour laquelle tu la traites comme bon te semble. Tu débelles. N'as-tu pas honte? Je m'adresse à toi, Chinebere. Tu n'as pas honte? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es juste en train de me gronder comme tu veux. Hein? C'est quoi ça? Maman, je vais te poser une question. As-tu pris le temps d'analyser? M'as-tu posé la question? As-tu demandé ce que cette sorcière a fait dans cette maison? Tu es juste là en train de me condamner. Pour qui te prends-tu, Chinebere? Es-tu fou? Quelque chose ne va pas dans ta tête? Je m'adresse à toi et tu n'as même pas honte de rétorquer. As-tu oublié que je suis ta mère?
Ma mère m'a giflé à cause de toi. Essaie de la toucher. Touche-la. Alors je t'enseignerai une leçon que tu n'oublieras jamais. Maman m'a giflé. Je vais te battre. Viens. Et si tu cherches qui battre, va à l'extérieur et bats-toi avec tes semblables. Tu viens lever la main sur une femme. Tu n'as même pas honte. Regardez-le. N'importe quoi. Pouvez-vous imaginer? Après avoir élevé cet enfant, juste pour devenir un batteur de femmes. Pouvez-vous imaginer? Qu'est-ce que ça veut dire? N'importe quoi. Can't imagine. Somebody please wake me from this dream. All I know that something is wrong somewhere. I can't imagine that I'm getting this from you. Why you doing this? Why you doing this? It's for better for worse. And things are getting tough. Where I know something is wrong somewhere. Bonsoir. Bienvenue, papa. Bonsoir, papa. Bienvenue, G. My heart is broken. God, this is not the way. Maman, fais pas ces têtes, s'il te plaît. Ok, c'est bon, nous pouvons continuer. Tu as bien compris? Que tu as crié? Qui a-t-il? Alors, c'était un rêve. Qui a-t-il? Non, mais parle-moi! C'était quoi ce rêve? Elle a l'air très étrange, effrayante et vraiment bizarre. Jésus! Effrayante? Ah. Attends. Qui était-ce? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue dans ma vie. Et elle a dit qu'elle était mon ange gardienne. Ange gardienne? C'est vraiment étrange. Je suis désolé, je t'ai fait beaucoup attendre. D'accord, tu connais le monde actuellement, il y a vraiment beaucoup d'embouteillages comme ça. Je suis vraiment désolé pour Desmondo. Ça. Aïe! Desmondo! Tu ne vais pas t'expliquer, hein? Hein? Si seulement tu m'expliques, moi aussi je vais t'expliquer. Si tu veux que je t'attende ici, je vais t'attendre jusqu'à ce que tu me diras que non, c'est fini, je suis là. Tu n'as juste pas, envie de m'expliquer. On ne va pas en arriver là. qu'est-ce qui s'est passé à ton boulot? As-tu eu un problème avec quelqu'un? Mon frère, j'en avais pas. Je n'avais pas de problème avec mon boss, je n'avais pas de problème avec aucune personne de là. N'est-ce pas que tu le connais depuis très longtemps, hein? S'il s'agit des affaires, s'il s'agit de travail, s'il s'agit d'opportunités, tu me connais. Je suis prêt à tout faire pour ça, à n'importe quel moment. J'étais surpris de voir mon patron venir dans mon bureau. Il m'a déposé une lettre en disant que je ne suis pas compétent pour le travail. Moi, Botchidou, je ne suis pas compétent pour le travail. Imagine. Au-dedans de moi, je sentais qu'il y a quelque chose derrière tout ça. C'est cette femme. Cette femme est capable de faire tout ce qu'elle veut. Elle est capable de faire tout ce qu'elle veut. Elle a bouleversé ma vie et je ne sais même plus comment faire. Mais pourquoi est-ce que ta femme ferait une chose comme celle-là? Cette femme. Bien. Ce n'est pas ta faute si tu ne connais pas Nancy. Nancy est capable de faire tout ce qu'elle veut. Nancy est terrible. Doucement, Nancy est méchante. C'est bon, du calme, d'accord? J'ai déjà compris là où tu voulais en venir au juste.
En ce moment même, je ne supporterai pas de te voir souffrir, sans que je ne fasse quoi que ce soit à propos de ça. Voyons, tu as toujours été mon ami, il y a bien des années. N'est-ce pas? C'est pour cela que je t'ai appelé. La vérité, c'est que je ne peux pas te donner de l'argent. Mais je te promets que je vais te montrer comment faire cet argent. Oya! Oyamba! Oyengo! Nous ne sommes pas amis pour rien. Oyego! Oyego! Mon cher! Oh, Tidou! Ne t'en fais pas, nous avons beaucoup de vraiment. Hugo, mon ami, baba. Serveur? Hey! Ouane! Hey! Comment est-ce que je dirais non? Oui, monsieur. Je peux tout faire! Tout faire! Même s'il s'agit du garde-corps, ne t'en fais pas, mon frère. Ne t'en fais pas. Je suis prêt à tout faire, sache mon que cher. Nous avons beaucoup à nous dire, ok? Oui. Nous allons parler. Est-ce que vous avez Cubana? Oui, monsieur. Emmène-moi une bouteille. D'accord, monsieur. Voilà la boisson des patrons. Des patrons. Cubana. Voilà. Oh, mon cher. Oh. Voilà, c'est un... très intéressant. J'ai vraiment amusant, toi. En tout cas, surtout ne t'en fais pas. Très bientôt tu seras. Je veux que j'aie, je veux que beaucoup d'argent pour que je sois libre. Et oui. Vraiment, ça c'est des sortes de vin. Waouh, c'est tellement exactement. Vrai. Ça a l'air tellement vrai. Aïe. Il n'y a toi, que vraiment, ça. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Oyenko, Oyenko, mon ami, je ne pense pas, allez. Je ne pense pas que c'est moi qui va prendre ça. Je ne vais pas m'enivrer, hein? Si tu t'enivres, je t'emmènerai à la maison. Les meilleurs jours sont à venir. Amen. Toutes les affaires avancent. En fait, que tu reçoives encore aussi beaucoup pour nous. En abondance. En tout cas, j'y crois. Et alors, c'était comme ça. Il a dit qu'il va m'apprendre ses affaires, mais je ne sais pas lequel exactement. Ah ah. Bébé, qu'est-ce qu'il a même dit? Il n'est pas si sérieux de travailler avec toi ou comment? Non, je suis sûr qu'il est sérieux. Il est sérieux. Et c'est quoi le problème? C'est ce que je veux faire. Je suis un peu fauché ces derniers temps. J'ai besoin d'argent en ces moments pour régler certaines affaires. Mais je ne pense pas que c'est une meilleure option. Ce n'est pas une bonne chose du tout. Pourquoi tu dis cela? Pour l'instant, tu n'as pas de choix. Oui, tu n'as pas de choix. Toute affaire que Desmond essaye de faire avec toi, tu dois te plonger dedans, l'accepter et les toucher avec tes deux mains. Bien sûr, je suis sûr que cela te fera encore devenir riche. Parce que je ne crois pas que je peux fréquenter un homme pauvre. Oh. Parce que je ne pourrais pas. Cela sera une défense pour te tricher ou même te quitter. Je ne te dis pas que je le ferai. J'essaie juste de dire ce qui peut arriver. C'est parce que je ne veux pas souffrir. Bébé. Ne sois pas de son côté. Tu dois accepter cette opportunité avec tes deux mains. Hey, je vais tuer quelqu'un. Oh. Je te l'ai dit chaque jour. Hein? Je vais tuer quelqu'un. Tout celui qui veut jouer avec toi. Tout celui qui veut s'amuser avec toi. Bébé, hein? On ne parle pas de moi. Nous parlons de tes affaires. Tu dois considérer ce que Desmond t'a dit. Ouais, j'ai compris. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Tu as l'intérêt. C'est parce que je veux que tu commences à travailler dur. Je veux que tu bosses dur pour avoir l'argent. Tu dois avoir l'argent pour venir m'épouser. Ou soit tu veux qu'un autre homme riche prenne ta plus belle femme. Tout celui qui va essayer, je te jure, je vais le tuer. Tu verras. Arrête de trop parler. Le mieux, c'est de chercher l'argent puis venir te présenter. Attends, nous discutons pour l'argent. Chérie. Tu veux quoi? Non. La question doit être, que se passe-t-il? Parce qu'il y a de cela quelques jours, tu es toujours à la maison, tu ne pars pas travailler. Y a-t-il un problème quelque part?
Ça, c'est quel genre de mariage? Qu'est-ce qui arrive vraiment à mon homme? Dieu. Je t'en prie, sauve mon homme. Ne me dis pas que tu es sérieuse. Ma sœur, c'est ce que je suis en train de voir arriver à mon foyer maintenant. Mon mari n'est plus cet homme que j'ai épousé. Il me frappe. Il frappe même les enfants. Tous les jours. Non, c'est pas vrai. Enfin. Il ne mange plus ma nourriture. Non, dis pas ça. Tu blagues, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Dernièrement, il m'a empêché de dormir dans la même chambre que lui. Ah non, pas ça, Nancy. Ah, c'est pas juste. Je ne sais pas ce qui lui arrive vraiment. Ah, oh mon Dieu. Jésus. Oh. Je suis navrée, chérie. Mais tu veux dire... Tu dis que je connais. T'es haïe vraiment? Ah, 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 non, 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 non. Ah, tu sais quoi? J'ose croire que tu dis voir une autre femme. Oui, il voit une autre femme, raison pour laquelle il te traite comme un vaurien. Quoi? Mais oui, c'est ça. Olivier, je te conseillerais que si moi j'étais vraiment à ta place, j'allais déjà le quitter il y a longtemps. Je quitterai le mariage et prendre quelqu'un qui prendra soin de moi. Et enlever les enfants dans ta tête. Tu me comprends? Ou soit tu es supposé rester ici, pleurer et se faire souffrir toi-même à cause de cet homme. Il est juste un infidèle. Oh Dieu! C'est quoi ça? Ah! Ce sont des bêtises. Tu dis? Tu dis? Faut une autre femme? Oh oui! Et donc, toi, si tu tolères cela, Dieu. Ah. Mon fils Jerry a dit quelque chose comme ça. Mais je l'ai taillé. Ce garçon. Il y a quelque chose de louche avec ce garçon. Parfois, il parle de la réalité à l'avenir. Oh. Hein? Juste divorce. Mais honnêtement, je peux pas penser à quitter mon mariage. Je veux dire, qu'est-ce que je veux faire avec les enfants? C'est très tôt. D'ailleurs, ma belle-mère ne le soutient pas. Ah, cette femme est une ange. Tu vois? Donc, tu veux rester mourir dans ce mariage. Nancy, Nancy, tu es quittée pour la maltraitance et la souffrance. Et tu veux toujours rester mourir? Vraiment? Un homme qui te tabasse, qui ne reconnaît même pas ta valeur. Ah, oh, voyons. Voyons, ma belle. Je ne peux pas permettre quelque chose de mal t'arriver. Là, je te dis la vérité. Bon, ok, si tu te décides de rester et se réjouir dans ton mariage, pas grave, au moins, si quelque chose t'arrive, si vraiment quelque chose arrive, et les gens vont dire, Naomi, ne lui donnez pas de conseils. Même le ciel a vu que j'ai été conseillée. Mais tu t'es décidé de rester. Ah. Merci pour tes conseils, Naomi. Mais comme je disais, quitter mon mariage est loin d'être le cas. Je sais et je crois qu'un jour il va changer. Hey. Ah, ok, oh. Tu l'as dit, oh. Sur moi? Ah non, ma chérie, tu veux la paix et je t'ai donné la paix. Ne me mêle pas, en tout cas je suis dehors.
Yes, je vois. Ma soeur. Ah, regarde-toi. Ah. Tu as vraiment pris du poids. Qui a pris du poids? Ton mari ne s'est pas de toi. Si j'ai grossi, c'est parce que mon mari prend très bien soin de moi. Ok. Comment tu vas? Oh, j'arrive. Ma sœur, nous devons vraiment parler. Ça fait très longtemps. Tu n'as pas de lumière? La lumière? Ah, je compte même la mettre. Comment se portent tes enfants? Ma soeur, ils vont bien. Tous deux se portent à merveille. Ah, es-tu sûre? Ah, ça fait vraiment longtemps, je ne les ai pas encore. Merci. Mes garçons. Tu leur manques aussi. Alors, comment ton business? Ah, mes affaires vont tellement bien. Nous remercions le Seigneur. Ah, qu'en allons encore dire? On est en train d'essayer. Mais, je n'aime pas trop l'air que tu donnes. Tu as l'air d'une personne qui s'inquiète. Toute chose va bien. Comment ton mari? Ma soeur, je souffre. Je ne sais pas ce qui prend mon mari. Je ne sais pas ce qui lui a fait changer, mais il n'est plus l'homme que j'ai épousé. Sais-tu que Chidi m'a transformé moi et mes enfants en sac de boxe? Honnêtement, je ne sais quoi faire. D'ailleurs, la meilleure partie est que il ne nous donne plus l'argent de la ration ou quoi que ce soit. Il s'en fout qu'on ait faim ou pas. Jésus-Christ. Jésus, donc il t'a frappé? C'est le mot que je puisse te dire. Il nous massacre absolument chaque jour qui passe. Jésus. Mais je suis désolée. Je remercie Dieu pour ma belle-mère. La dernière fois qu'elle était venue, elle lui avait demandé des comptes. Alors je cherche avec qui échanger. Et alors? Il t'a frappé et tu parles de sa mère. Est-ce que c'était ça l'accord quand il était venu t'épouser? Cependant, sa mère lui a posé des questions. Mais cela n'est pas la raison de ma venue. La mauvaise partie est que cet homme veut me tuer, moi ainsi que mes enfants. Ma chère, il n'y a rien dans notre maison. Il n'y a pas de nourriture, rien du tout. Pas de provision pour eux. Je n'ai pas vraiment compris à ce point. Cela veut dire qu'il ne te donne même plus l'argent pour la nourriture? Pardon, ma soeur. Peux-tu m'aider avec tout ce que tu as? Pardon. De combien tu as besoin? Même avec 100 000, qui me permettrait d'acheter quelques provisions pour la maison. Pas de problème. Mais je ferai un transfert dans ton compte. Parce que je vais à peine d'ouvrir le shop et comme tu peux le voir, je n'ai pas les cash avec moi. Je t'en prie. Je ne sais pas vraiment quoi dire, mais je ne suis pas vraiment contente pour ça. Laisse-moi récupérer mon téléphone. Ah, Desmond, je suis ici pour te dire que j'ai beaucoup réfléchi et je vais te suivre. J'ai pris la décision de te suivre quand on travaille ensemble. Crois-moi, je suis prêt à tout faire. Tu vois, maintenant tu causes. Tout homme a besoin d'argent. L'argent fait en sorte que le monde tourne. Et ce n'est pas important de savoir comment tu le gagnes. Le plus important, c'est que tu le gagnes. Mais puisque tu as pris la décision, je t'assure que je vais t'appeler ce soir. Et je te dirai là où tu devras être pour que je puisse te prendre. Là où nous irons voir Ezewanya, le grand mon maître. Cher, tu as tellement raison. L'argent, c'est le plus important. Tu as tellement... Mon cher, j'ai besoin de cet argent. Je vais être comme toi, avec beaucoup d'argent. Il faut que j'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup ne suffit non, pas. Non, il faut en avoir beaucoup, beaucoup pour moi. Il faut, je suis prêt. Ça, c'est une bonne chose. Je suis prêt à tout faire pour en avoir. Darkness, the
walks at night, seek a good to destroy. Agent of the darkness, the mind is from the waters. We give and take, as a one year from 1 million. We bring blood, stain for wealth. Anything you need, you get. Unite of the darkness, terror in the darkness. And we give and take. We suck blood in the stain for wealth. As a one year from 1 million. Mumba, Mumba. As a wine, I'm Mambiri. Mumba, Mumba. As a wine, I'm Mambiri. Mumba, Mumba. La grande est a wine, I'm Mambiri. La mère de tous. La mère de la richesse et des sorcières. Je te salue. Devant toi, il y a mon ami. Qui veut que tu fasses de lui ce que tu as fait de nous? La grande Ezewanya Mwameri. Desmond, Onye Dikachi. As-tu dit à ton ami Tidebere? Ok, Chukwu, qu'est-ce qu'il faut faire pour être riche? Elle connaît mon nom. Grande Ezewanya Mwameri. Je lui avais dit. Il a dit qu'il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour être riche. Agent of the darkness, the mind is from the waters. We give and take, as a one year from 1 million. We bring blood, stain for wealth. Anything you need, you get. Unite of the darkness, terror in the darkness. And we give and take. We suck blood in the stain for wealth. As a one year from 1 million. Tidebere Okechukwu, bienvenue dans mon monde. Tu es maintenant mon fils. Et dès maintenant, tout celui qui te touche me touchera aussi. Mon cher frère. Je comprends comment tu te sens à propos de tout ça, mais tu dois te comporter comme un homme pour ça. D'accord? On t'a dit tout ce que tu dois faire, alors juste vas-y et fais-le. Il n'y a rien de grave là-dedans. Hmm? Tu dois le faire, mon gars. Il n'y a rien de grave là-dedans. Desmond, est-ce que tu t'entends parler? Je dis, est-ce que tu t'entends parler? Sacrifier mon enfant adoré, hein? Non, 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 non. Tu sais qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ce que moi j'ai eu à sacrifier? Tu sais que j'ai presque sacrifié tous les...
tous les membres de ma famille à cause de ceci. Et je suis toujours appelé à sacrifier plus, pour gagner plus. Mon ami fait ce qui est nécessaire. Desmond, alors pour qui tu veux avoir cet argent? Pour qui tu veux avoir l'argent? J'ai décidé de te suivre pour avoir de l'argent. Uniquement pour satisfaire ma famille. Alors si je sacrifie Ogochukwu, qui va profiter de cet argent? C'est mon fils préféré qui va en profiter. Je veux que tu quittes ma vie. C'est le moment. C'est le temps que tu quittes en paix et chérie, sans problème. Désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne veux pas partir. Non, s'il te plaît, je t'aime beaucoup. Tu ne veux pas partir. C'est quel genre de rêve que je viens de faire là? C'est quel rêve comme ça? Maman? Nancy, tu as finalement introduit tous ces enfants ici dans ton royaume de magie. Nancy, ça ne se passera pas comme ça. Nancy, ça ne se passera pas comme ça dans cette maison. Comme tu peux le voir, je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps. C'est ça le rêve. Je n'arrive toujours pas à comprendre l'essence de ce rêve-là. Écoute-moi. Nous devons faire attention avec papa. Mon esprit me dit que papa n'est plus ensemble avec nous. Surtout avec maman. Oui. Mais moi, ce qui me retient maintenant, c'est cette femme étrange que tu n'arrêtes pas de voir dans ton rêve. Et soudainement... elle a commencé à te donner des grands pouvoirs dans ton rêve. Ah. Et souviens-toi que c'est la troisième fois qu'elle te soit apparue dans ton rêve. Oui, mais ce n'est pas mon plus grand problème en ce moment. Il faut que nous protégions contre cela avant que quelque chose de mal nous arrive ici à la maison. Ouais, je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Alors, qu'est-ce que tu suggères qu'on fasse? On peut dire à la grand-mère et à tante Joy. Tu sais, la grand-mère ne soutient pas le mal. Et tantine Joy, peut-être qu'ils vont parler avec papa. C'est une très bonne suggestion. Donc, devrions-nous y aller maintenant ou bien il faudrait qu'on attende jusqu'au soir? Je pense le soir. Sûr? Oui. Ogochukwu, Jerry, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez quitté la cité tout seul? J'espère que tout va bien. Comment vont vos parents? Hein? Grand-mère, nous n'allons pas bien. Et même maman ne va pas bien du tout. Eh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Grand-mère, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais quelque chose est sur le point d'arriver si on n'y prend pas soin. Exact. Parce que j'ai fait un rêve terrible où papa voulait tuer maman et Hugo avec un pistolet. Vraiment? C'est ça. Mais je les ai sauvés. Et mon esprit me dit que quelque chose de très mauvais peut arriver dans notre famille.
Que Dieu vous en préserve. Je rejette cela au nom de Jésus. Amen. Je vous couvre tous dans le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de Rien Jésus. Ne vous arrivera. Tu as dit pistolet? Un pistolet. Fie à voir. Rien ne va se passer. Rien n'arrivera à votre mère. Vous m'entendez? Oui, grand-mère. Hey! Donc, Tinebere continue toujours de frapper votre mère, même après mes avertissements. Hein? Donc, il va de l'avant et la frappe encore. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est quoi ça vraiment? Pourquoi votre père frappe et Bere comme si c'était un sac à boxe? Grand-mère, la frapper est une façon d'adoucir ça, oh. Sérieux, il lui donne des coups de poing chaque jour. Et à chaque fois qu'on essaie d'intervenir, il nous frappe comme s'il joue au football. Hey! Eh oh, Tinebere m'a tué, oh. De quelle manière dois-je lui parler? Que dois-je faire? Qui vais-je appeler? Hein? Pas de problème. C'est bon, hein? Mais dites à votre mère que je viendrai demain matin. Oh, je viens de voir de moi-même et vérifier comment elle va maintenant. Vous m'entendez? D'accord, qui grand-mère. À votre mère? Amen. Qui à personne? Amen. Qu'est-ce qui arrive vraiment à cet enfant? Vous voyez, à propos de votre rêve, il ne va pas permettre que cela arrive. Mon Dieu, le Dieu que je sers ne va pas permettre à ceux que nous sommes mourir. Nous allons prier. Votre père ne va pas tuer votre mère. Je veux dire, rien de tel ne pourra lui arriver. Vous comprenez? Amen. Maman. Amen, grand-mère. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Merci, maman. Que veux-tu acheter? Hey, maman, j'ai besoin de préservatifs. Tu as besoin de préservatifs? Oui, en tout cas, vous, le jeune d'aujourd'hui, vous n'avez rien de bon à acheter. Tu ne peux pas acheter quelque chose même pour manger. Maman, c'est quoi ton problème? Je veux les préservatifs. Est-ce que tu vas me donner ou pas? C'est quoi ton problème, maman? Combien fais-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vas me donner ou pas? Veux-tu que je t'en apporte? Est-ce que tu vas me donner ou pas? Je vais te donner. C'est quoi ton problème? Moi, je veux les préservatifs. Donne-moi les préservatifs. Donne-moi ça, je te demande. Je vais partir. C'est quoi ça? C'est tout ce que tu sais faire. Donne-moi 5. Fais vite, fais vite. C'est tout ce que tu sais faire. Je ne veux pas des dettes, s'il te plaît, donne-moi mon argent. Ne doute plus rien. S'il te plaît, donne-moi mon argent. Oui, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Les biscuits. J'en ai. Pour combien? Mais où sont ces enfants? Il se fait déjà tard. Tu... Où est-ce qu'ils peuvent venir? Je n'ai pas entendu. Mais qu'est-ce que c'est, moi? De la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? D'ailleurs, qui vous a donné la permission de quitter cette maison sans informer? Maman, on est vraiment désolé. Maman, tout est de ma faute. Je lui avais demandé de m'accompagner dans la maison de Jumbo, mon collègue, pour récupérer mon cahier. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés là-bas, il n'était pas là. Ses parents nous avaient demandé de l'attendre, voilà. Mais comme il commençait à se faire noir, nous avons décidé de rentrer. Vraiment? Alors, qui avez-vous informé avant d'aller à la maison de ces soi-disant Jean Bosco? À qui? Nous sommes venus t'informer, maman, mais tu dormais. Pourquoi ton téléphone était-il éteint? Maman, les batteries étaient à plat. Quand est-ce que la batterie était morte? Parce que vous, les garçons, avez blagué avec maman cette nuit. Au lieu plutôt de lire vos livres, ou de faire des appels, ou chercher des trucs intéressants sur le net. Maman, on est désolé. Quelque chose. C'est bon, allez-y. Allez-y, allez vous rafraîchir.
Regardez-moi ce garçon. Où vas-tu comme ça? J'ai entendu la voix étrange qui a appelé ton nom. Et tu vas aller là-bas pour voir la personne. C'est vraiment très bizarre. J'ai vraiment peur. Attends. Où est maman? Maman est seulement en train de dormir là-bas. Tu as déjà peur comme ça, tu vas encore aller voir la personne. Écoute, je crois quand même que je devrais aller jeter un œil sur maman. Juste pour voir si elle oui, va bien. Allons-y. J'ai vraiment peur. Viens, viens. Maman. Maman, réveille-toi. Allez, debout. Maman, as-tu entendu ce bruit étrange? Étrange? Exact. Oui. Comment? Où? Je n'ai rien entendu. Maman, c'était comme si il y avait un grand monstre ici. Et la voix était en train d'appeler mon nom. Pas ton nom, mon fils. Amen. Maman, c'est très bien que tu aimes toujours avoir des doutes. Si seulement on ne pouvait pas sortir ici, on ne sait même pas ce qui lui serait déjà arrivé. Exact, maman. Rien ne t'arrivera. Amen. Rien ne va t'arriver. Oui, maman. Viens, tu sais quoi? Prions. D'accord. Fani chineke. Oweye na ni chubu nezia nezia. Oweye na ni chubu nezia nezia. Ifa ni chubu, ifa ni chineke. Oweye na ni chubu nezia nezia. Oweye na ni chubu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous t'invoquons en ce jour. Père, nous glorifions ton nom. Nancy, pourquoi tu ne veux pas que je dorme dans ma maison? Hein, Nancy? Nancy, pourquoi tu me fais ça? Nancy, pourquoi tu ne veux pas que je dorme dans ma maison? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ai-je tort de t'épouser? Ai-je tort de vivre dans la maison avec toi, Nancy? Non, non, pas comme ça. Au fait, les enfants... On fait un cauchemar. Oui. C'était une attaque. C'est pourquoi nous prions. Oui. Papa, viens. Ne me touche pas. Mais papa, rejoins-nous de notre chanson de prière. Que je vienne m'asseoir là où vous priez. Je ne veux pas ces histoires dans cette maison. Non, je n'en veux pas dans cette maison. Pas la prière dans cette maison. Pas dans cette maison. Regardez-moi ça. Mais tu es chrétien, papa. This is not an open promise. You are hurting me so deeply. Je t'ai demandé d'être prudente. Maintenant, tu as vu que je suis capable. Je suis Ezemwani de Amumeri. Le roi Ogaronia connaît Omiamiri. Je suis la plus puissante de tout l'univers. Je t'avais demandé de ne pas oser me tenter, mais tu avais refusé. Je n'ai jamais oublié tout ce que tu m'as fait. Alors la prochaine fois, si tu oses me tenter,
je n'aurai pas d'autres options que de te détruire. Je suis ici pour prendre ta vie. Tu y as utilisé tes propres mains pour signer ton arrêt de mort. Je n'ai jamais oublié comment tu m'as déçu. Et j'ai misé sur toi. Je suis la mère du royaume des eaux. Je suis ici pour t'écraser. Je veux t'écraser, Ezemwani. Je te promets que je vais t'écraser. Madame, c'est comme ça que tu as voulu me surprendre aujourd'hui. J'ose croire que tout va bien. Qu'est-ce qui semble aller? Essayes-tu pas de dire que je n'ai pas le droit de venir voir ma propre sœur à n'importe quel moment? Alors, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tu sais que ma maison t'appartient, tu peux venir à tout moment. Ah, maintenant on est d'accord. Je suis surprise de te voir ici. Je suis là maintenant. Alors, comment va ton mari ainsi que le business? Mon mari et les affaires, en tout cas, tout va bien. Dieu merci. Mais je suis là pour te parler et je crois que tu vas m'écouter. Dis-moi, à propos de quoi? Ma sœur, j'ai eu des informations. Comment ton mari réagit à ton égard, toi et tes enfants? Un rapport? Mais de qui? Ok, ton fils. Ah, ces enfants ne vont pas me tuer. Ils sont venus vers toi? Ce n'est pas vraiment un problème. Ils ont du chagrin et cela les préoccupe. Et ils s'inquiètent pour toi. Ma sœur, comment peux-tu permettre un homme qui suppose vraiment être ton mari de maltraiter jusqu'à ce niveau? Et tu supportes? Et tu les emmagasines? Tu veux vraiment mourir? Et quoi? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Ah! Ah, filles, maman, bienvenue. Vous êtes venue? Oui, ma fille, je vais bien. Vous m'avez aussi surprise aujourd'hui. Pourquoi ne pas me réjouir? Maman, bienvenue. Très bien. Je n'ai été appelée par personne. Je suis venue par moi-même. Comment vas-tu? Désolée, maman. Comment vont mes petits-fils? Ils sont allés à l'école. Et ton mari? Il était juste sorti sans pour autant me dire exactement où il allait. Maman, j'espère que tout va bien. Oh. Rien ne va bien. Toi-même, tu vois bien que rien ne va. Rien ne va avec toi, ne le vois-tu pas? Oh! Et tu dis que tout va bien. Est-ce que tout va bien? Non, rien ne va. Pourquoi choisis-tu de mourir en silence? Pourquoi veux-tu mourir en silence? Dis-moi. Voyons, maman. Tu ne dis rien, comme si tu n'étais juste pas une femme. Juste parce que tu es mariée. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi essayes-tu de protéger ton mari? Hé? Il ne fait que te tabasser tous les jours comme un sac de boxe. Et toi, tu es silencieuse. Tu veux mourir? Hé? Je remercie Dieu d'avoir trouvé ta sœur ici. Dis-nous un peu, maman, ce qui ne va pas. Maman, je suis fatiguée. Hein? Je veux que tout le monde de Lagos et tout le monde entier m'écoute. Que je viens de Nigeria, je ne peux pas supporter la maltraitance que mon fils fait subir à ta sœur. Maman, merci. En tout cas, tout ça me dépasse. Merci, elle n'écoute jamais. Mes petits-fils étaient venus chez moi l'autre jour. Ils m'ont tout relaté. Et même pour les rêves qu'ils ont eus. Et est-ce que tu es au courant? Ils sont allés à ta boutique. Maman, merci beaucoup. Merci parce que tout ce que tu as dit est vrai. Merci parce que tu es celle qui parle à la place de ma sœur. Hein? Je suis sûre que maman sera tellement heureuse dès là où elle est. Tout en sachant que ma sœur a une belle mère qui l'aime. Tu es une belle mère que toute femme aimera avoir. Merci maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Avoir une fille et souhaiter ce genre de choses à sa fille. Je ne peux pas avoir une fille comme elle. Et elle ne veut rien dire du tout. Cette femme ne veut rien dire du tout. Je ne sais pas si elle veut vraiment mourir juste comme ça. Pardon, ma fille. Je t'en supplie. S'il te plaît, suis-moi. Je veux que tu me suives dans ma maison maintenant. Maman, quoi? Chez moi. Je sais que tu dis viendra te chercher. Il va se diriger vers chez moi pour te chercher. Je ne te comprends même et pas. Et par là. Et il saura de quel bois je me chauffe. Je veux vraiment le frapper. Ce que je vais lui faire, il ne l'oubliera pas toute sa vie.
Il est même chanceux parce que je ne l'ai pas trouvé ici. Oh, du coup, j'allais vraiment le tabasser aujourd'hui. C'est blague avec le gens. Hein? Maman, tu sais... Non, tu n'as pas d'excuse. Maman a dit que tu vas la suivre et tu vas vraiment la suivre. On est ici pour sauver ta vie et puis tu es la réclamer. Va prendre tes choses et puis suis maman. Serait, c'est bon. Va à l'intérieur, prends tes affaires maman, et okay, suis-moi s'il okay, te plaît. Ok, je vous ai entendu. Mais je ne peux pas aller maintenant. Je dois finir avec ce que je faisais. Mais je vous promets que je viendrai la semaine prochaine. Quel travail! Hein? Quel travail! Chaque jour, tu dois toujours des excuses pour défendre ton mari. Tu travailles. C'est plus difficile la semaine prochaine. Que ta vie. La semaine prochaine? Et si tu meurs avant cette prochaine semaine? Rien ne va se passer. Hey! Ne croyez pas, Jerry. Ce n'était qu'un rêve et rien d'autre. Enlève cette idée. Retiens qu'il n'y a pas de hasard dans des rêves. Les rêves sont des visions qui nous montrent le chemin. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est juste un rêve? Quoi? Joy, je ne t'ai jamais connue comme étant paranoïaque. C'est seulement à cause de toi parce que je ne veux pas perdre ma seule sœur, mon unique sang. La seule chose qui me reste, je ne veux pas surtout la perdre. Nancy, tu as dit la semaine prochaine. Oui, maman, la semaine prochaine. Donc je dois t'attendre la semaine prochaine. Oui, je promets que je viendrai. Maman, si elle ne vient pas, je viendrai moi-même prendre ses bagages puis venir avec ça là-bas. Je partirai, mais je vais revenir. Si je ne te vois pas la semaine prochaine, je viendrai, je te chasserai. C'est simple. Et tu viendras vivre avec moi. Tu m'as entendu? Et pour des cauchemars, je continue à prier. Hein? Désormais, je bloquerai tous les cauchemars négatifs. Rien ne t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Pardonne-nous, s'il te plaît. On essaie seulement de protéger tes intérêts, maman. Oui, maman. On t'en prie, pardonne-nous. Nous sommes désolés que nous t'ayons menti. S'il te plaît, maman, nous avons fait tout ça seulement parce que nous t'aimons. Maman, s'il te plaît, pardonne-nous. Maman, on est désolés. On ne le refera plus jamais. On est désolé. C'est bon, levez-vous. Merci, maman. C'est bon, je vous pardonne. Vous savez que maman vous aime énormément. Alors arrêtez de me mentir. Non seulement moi, mais ne mentez à personne. Les mensonges est un péché. Et les pécheurs iront en enfer. D'accord. Je suis désolée de vous mettre dans cet embarras. D'accord, maman. On te promet qu'on ne mentira plus jamais à personne. Ok, promets. Promets ce petit doigt. Vas-y, promets. Je vous aime, mes amours. Ça ne me plaît pas du tout, cette histoire. Il faut que je te le dise. Je ne m'imagine pas perdre mon enfant préféré. Desmond, comment est-ce que tu vis ça? Parmi tous ces mondes, mais pourquoi Ogechukwu? Hein? Ce garçon, c'est mon fils préféré. Je le porte dans mon cœur. Chidi. Je comprends comment tu te sens. D'accord? Pour nous autres qui sommes déjà là-bas, nous avons également des prix que nous avons eu à payer pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Chidi. Tu dois juste te conduire en homme pour ça. Desmond, je ne pense pas que tu me comprennes. Si tu étais à ma place, tu m'aurais compris. Ogechukwu, c'est mon fils préféré. Dis à cette femme que je ne connais même pas son nom, que je m'en fous. Je ne peux pas perdre mon enfant. Chidi, c'est bon, du calme. Avant que tu ne dises des choses que tu vas regretter. D'accord? Cela n'est qu'un simple prix pour ce qui est sur le point d'arriver. D'ailleurs, tu peux avoir des enfants avec d'autres femmes, mais pense seulement aux bénéfices de ce que tu vas avoir. La monnaie, les voitures, les villas, et même un business, des voyages dans différents pays de ton choix. Voyons, gars,
Si tu me demandes, je te dirai que c'est le meilleur choix. Essaie juste de penser un peu à ça. Pense-y un peu. À la fin de la journée, tu seras content d'avoir fait cela. Demoiselle. Tu t'appelles mon ami, mais tu n'es même pas venu me rendre visite. Voyons, ma sœur. Même après avoir dit tout ce que je travaille dans les mains de mon mari. Voyons. Oh, c'est pas juste. Ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai. Écoute, j'avais une urgence venant du village. J'étais allée pour la maladie de ma mère. Oui, c'est parce que sa condition était vraiment si grave et je devrais normalement aller là-bas prendre soin d'elle. Oh. Je suis désolée de ne pas pu t'appeler avant que je parte. Je comprends. Comment va-t-elle? Est-elle rétablie? Ah oui, elle va bien. En tout cas, maintenant, ça va. Elle a été très bien traitée. Oh, elle va bien. Merci. C'est ça vraiment ma priorité. Oh, alors comment tu vas? Et ton mari, comment il va? Espérons qu'il a changé. Changé? Ah! Dans le dictionnaire de mon mari, il n'y a pas le mot changement. J'ai dit, et c'est lui qu'il est. Voyons. En effet, il s'est trouvé une autre femme. Ne dis pas si ça. Si je te le dis. Honnêtement, je suis juste en train d'attendre le jour où il amènera cette fille qui est en train de lui tourner la tête. Alors je saurai qui est cette femme qu'il désire tant épouser. Et c'est tout. Nancy. Nancy. Voyons. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. Ne pense pas ainsi. Bébé, tu dois quitter ce mariage. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Le mariage n'est pas quelque chose à jouer avec. Tu dois mettre ça dans ta tête. Avant que tu le perds, je te demande de divorcer. J'ai un salaire et je prendrai soin de toi. Je m'inquiéterai pour toi et même pour tes enfants. Il veut la paix et laisse-le tranquille. Juste divorce et il va faire tes choses. Bienvenue, tantine. Oh, les Bienvenue. Enfants, comment vous allez? Nous allons bien. Et vous? Merci pour le conseil. Ah, ok. Ok, laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous dire ce que vous ne savez pas, que vous devriez savoir. Exact. Vous voulez savoir? Maman, calme-toi. Ma mère ne va jamais quitter cette maison pour une autre femme. Mm-hmm. D'accord? Alors, vous voulez qu'elle parte ici pour qu'une autre femme rentre ici et profite de tout ce que notre mère a fait? Non, pas ça. Et toute femme qui est sortie avec mon père, cette femme va mourir. D'une mort horrible. Exact. Et les vautours mangeront son cadavre. Ouais. Alors, sachez que cela ne va jamais arriver. Jerry, Egochukwu. Exact. Mais maman, elle... Nous irons à son enterrement, nous danserons comme ça et mangerons du riz avec du poulet. Et après l'enterrement, nous allons... Oui, c'est ça. Sortez, je ne veux pas vous voir. Mais... Sortez tous deux. Mais maman... Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux juste... Peux-tu imaginer? Nancy, ce n'est pas un bon signe. C'est quel genre d'enfant que j'ai? C'est parce qu'ils ont pris sang de lait à papa. Ils sont tellement toxiques. Comment ils peuvent souhaiter la mort à quelqu'un? À cet âge-là, comment ils peuvent dire ça? Tu dois quitter ce mariage. Je t'avais dit, cela affectera leur vie et même... Tu avais... Dieu! Jésus, on n'est pas comme ça, oh. Imaginez un peu ces enfants. C'est vraiment évident que d'autres enfants ont cet esprit-là. Voyons un peu leurs souhaits. Oui. Je veux dire, qui les a donné l'audace avec le courage de me parler à ces temps dans la présence de leur maman? Je veux dire, pas de respect, pas de regret, donc rien du tout en tout cas. Ah. Oh, je vois. Tu dis oui. Je pense que tu dis donne une raison à ces enfants de nous suspecter. Bien sûr que c'est vraiment une bonne explication pour ça. Écoutez un peu ce que ces enfants ont dit. Apparemment, ils savent très bien que je suis la personne concernée. Bêtise. N'importe quoi. Ah, je pense que c'est Jerry. Jerry, c'est lui qui c'est la personne que je déteste le plus. C'est lui qui est possédé et il possède aussi son frère. Juste imaginez ces imbéciles, se complotent contre moi. Ces enfants se complotent contre moi. Moi. Je rejette tout le plan diabolique comploté contre moi, ça n'arrivera pas. Ah, n'importe quoi. Ah, je dois voir Tidjo. Je dois voir Tidjo pour stopper tout ça.
Hey bébé, hey, ça va toi? Comment tu vas, hein? Qu'est-ce qui ne va pas, tu m'appelles comme ça? J'ai des choses à faire. Dis-moi, pourquoi tu m'appelles Urgema comme ça? T'ai-je manqué? Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Juste laisse-moi tranquille, j'ai vraiment l'air énervée. Je suis vraiment, vraiment, vraiment énervée pour le moment. Sérieusement? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a mis tes enfants au courant de notre relation? Mes enfants? Oui. Bien sûr que c'est pas moi. Oh, c'est quoi? Bien sûr, c'est pas moi. Pourquoi tu prétends ne pas savoir ce que je suis en train de dire? Jusque-là, je ne comprends pas de quoi tu parles. Vraiment. J'étais allée chez toi l'autre jour pour voir ta femme. Et quand on a commencé à avoir des conversations entre femmes, et ils sont en train de parler, d'habitude, ils me saluent. Mais ils n'avaient pas fait cela. Et soudainement, ils commencent à dire la raison pour laquelle Léa Papa est en relation avec une autre femme. Et ils ont commencé à la maudire. Ils ont dit beaucoup de choses sur elle. Et même, ils demandent sa mort. Et ton deuxième fils était là pour confirmer. Il a même dit qu'il participerait aux funérailles pour danser Bouga. Oui. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui les a envoyés. Tu es surprise? Bien sûr que je le suis. Il ne faut pas être surprise parce que tu connais déjà qui les a envoyés. Qui? Nancy, bien sûr. C'est Nancy qui les a envoyés. Écoute, oh. C'est de cette façon que je vis dans ma propre maison. Je vis comme un étranger. Hey! Je vois. Elle a abîmé ce garçon. C'est au bout du coup. Je sais même pas quoi dire. Hey! Ce garçon est fou, comme sa mère. Donc, maintenant, Nancy utilise ses enfants contre toi. Disons qu'elle utilise les enfants contre toi. C'est ce que je vois. Ah, j'allais su. Ah, s'il te plaît, parlons pas de ça, hein. Et ça, c'est pas trop intéressant. Et c'est comment pour ton ami? Les affaires de ton ami, tu as déjà commencé? Comment ça marche? Ça? Oui. Laisse-moi te choquer. Mais choqué. Très bientôt. Très, très bientôt. Ok. Ton homme sera le millionnaire. En fait, le milliardaire. Le milliardaire. Oh! Waouh! C'est une très bonne idée. Alors, très bientôt, tu deviendras un millionnaire. Oui! Oh, c'est vraiment génial. Eh? Ah, je suis très impatiente d'être considérée comme madame. J'aurais un niveau très élevé. Vraiment. Tu supposais ça. Ça sera merveilleux. Oh, tu crois? Désolée, je pense que tout va changer. Hein? Tu as besoin de quelque chose? Ça savoure un peu. Vraiment? Je vais savourer. Je veux qu'on s'amuse. Hé, hey, barman, amène-moi la boisson. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! J'ai aussi pris le temps. S'il te plaît, je veux te dire, arrête de voir Chidi, le mari de Nancy. Tu sais qu'elle est ta meilleure amie. Ah ah. Oui. Ah, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui te fait dire cela? Je veux dire, à quel niveau c'est devenu ta préoccupation? Tu es dans ça maintenant? En tout cas, là, tu déconnes. Ok. Est-ce que tout va bien? C'est bon, ça suffit. Juste tais-toi et occupe-toi de tes affaires. Peu importe ce que je décide de faire avec ma vie, ce sont mes affaires. Et d'ailleurs, en quoi ça te concerne? Tu es mon amie, oui, mais c'est toi qui me juges sur ce problème. Oh, je vois. Bébé, occupe-toi de tes affaires. Hein? Mêle-toi de tes affaires. J'ai dit, prends de l'eau froide. Ok, d'accord. D'accord, c'est tout ce que tu veux. Oui, c'est vraiment ce que je veux. Ça n'engage que toi. Merci beaucoup. Si tu n'as pas d'autre chose à dire, va-t'en de ma maison. Si tu n'as pas d'autre chose, alors apporte du jus. Hein? Bébé, c'est bon, non, ça arrête ça, c'est bon. C'est une vie vécue. Je veux dire, c'est ta vie. Tu devrais y penser avant que tu parles de bêtises. Hein, avant tout, comment va papa? Ça va aller, ok? Ça va aller, hein? Tu iras mieux. Maman, oui? Cette température est toujours élevée. Oui, ne t'inquiète pas, il ira mieux. Tu sais comment ton frère devient lorsqu'il a de la fièvre. Maman, s'il te plaît, je veux que nous soyons vraiment très prudents. Je le ferai. Et si tu vois que tous les médicaments que tu donnes ne répondent pas, je suggère que nous l'amenions à l'hôpital. Je le ferai, Jerry. Vas-y. Va à l'école avant que tu ne manques tes heures de cours, ok?
S'il te plaît, soyez très prudent. Je le ferai, Jerry. Vas-y. Ok. Je t'apporterai quelque chose le soir, d'accord? Ok. Je t'en prie, prends très bien soin de toi, ok? Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Manquer quoi? Qui va manquer qui? Ah ah! Mais qu'est-ce qui te prend? Ne dis plus ça. Et toi, va à l'école, il sera bien à ton retour. Maman, s'il te plaît, va à l'école, Gotchuku, tu perds le temps, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, tu vas rater ton bus, oh. Vas-y, ton frère ira mieux, tu connais ton frère. C'est bon, tu vas guérir, hein? Pourquoi j'ai ce mauvais sentiment? La même voix? Cette voix étrange encore? Et pourquoi cette voix appelle toujours le nom de mon frère? Non, je ne pense pas que tout aille bien. Hugo! Non, 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 non. Non, je n'ai pas de choix. Je ne comprends pas, mais pourquoi j'ai ces mauvaises sensations? Je veux dire, Nancy va-t-elle bien? Je me sens si inquiète. Nancy! Je te parle, tu n'écoutes pas! Je vais en finir avec toi! Lâche-moi! Lâche-moi!
Nancy. Nancy. Ugochukwu. Ugochukwu. Nancy. Nancy. Mon fils, tu es rentré. Hugo. Hugo. Maman. Maman. Écoute. Arrête-toi là. N'ose même pas t'approcher de moi en bête que tu es. Tu as tué mon frère et ma mère. Écoute, je ne sais même pas ce qui vient de se passer, ok? Je les ai trouvés comme ça. Tu es un menteur. Tu les as tués tous les deux. Tu as tué mon frère, tu as tué ma mère. Desmond. Yeah. Allô, Desmond. Le pire m'est arrivé. Desmond, le pire m'est arrivé. Ma maison est en feu. Desmond, peux-tu m'écouter, s'il te plaît? Ugochukwu est mort. Ugochukwu, mon fils, est mort. Mon cher ami, écoute-moi. Mon fils est mort. Ma femme est morte aussi. Ma femme est morte. Je viens tout juste d'entrer à la maison. Et elle m'a attaqué. Elle a vu l'esprit Desmond. Elle a tout vu. Elle a tout vu, Desmond. Elle a tout vu. Où es-tu? Je vais... Fais vite. S'il te plaît. J'ai vraiment besoin de toi. Viens d'abord à la maison. Viens d'abord à la maison. Viens d'abord à la maison, s'il te plaît. Nancy. 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 Ugochukwu. 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 Qu'est-ce qui m'est arrivé? Jésus. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec Chéri? Pourquoi il est en train de courir sur ses rues de Lagos? En train de courir comme un homme fou, sous ce soleil accablant. Qui est cette personne qui peut parcourir tous les Lagos sous ce soleil accablant? Ah. Hey! Sincèrement, ce garçon est vraiment fou. Oh. Il a vraiment perdu la tête. Si ce n'est pas le cas. Ah! Je souhaite que son frère et sa maman deviennent aussi fous. Je souhaiterais que quelqu'un parcourt toutes ces rues de Lagos en devenant fou. Pour qu'il nous laisse l'espace, non? Qu'il nous laisse l'espace pour moi et Didi. Même si c'est inutile des grand-mères. N'importe quoi. Ah, et bien, il a pris quelle direction? Ah, oh! Même cette vieille femme doit laisser étude pour moi. Hein? Something is wrong somewhere. I can't imagine that I'm getting this from you. Why? Desmond,
qu'est-ce que tu veux que je dise à ma maman? Que devrais-je dire à ma mère et à ma belle-sœur? Je ne sais pas exactement ce que je vais expliquer aux gens, ce qui vient de se passer jusqu'à maintenant. Dis-leur n'importe quoi. Dis-leur que des voleurs armés les ont attaqués. Ou tu peux leur parler d'un simple accident. Desmond, as-tu oublié que ces garçons connaissent tout ce qui s'est passé ici? Mon fils connaît tout ce qui s'est passé ici. Il est au courant de tout ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'il est en ce moment à la boutique de ma mère. Il va l'informer de tout ce qui s'est passé dans cette maison. Eh bien, je ne pense pas qu'il puisse être allé aussi loin. Parce que je l'ai vu sur mon chemin en venant vers ici. J'ai essayé de le retenir, mais tu sais à quel point il est intelligent. Il a disparu de l'autre côté de la rue. Je l'ai attendu des heures, mais il ne s'est jamais montré. Tu connais pas ces garçons? Ce garçon est très intelligent que n'importe qui. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tout ce que tu dois faire, c'est appeler ta mère ainsi que ta belle-sœur. Essaie de leur expliquer avant que lui ne le fasse avant. Et souviens-toi que tu dois rapidement amener leur corps à la morgue. Et tu dois faire en sorte qu'ils prennent bien soin de leur corps. Et pour ton fils, tu dois rapidement t'occuper de lui avant qu'il ne devienne un problème. Je crois que tu as raison. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Je vais les faire comme ça. It's for better for worse. When things are getting tough. Where I know something is wrong somewhere. This is not a love you promise. You are hurting me so deeply. My heart is broken. This is not the way we used to be. You are hurting me so deeply. My heart is broken. Yeah, this is not the love you promised. You are hurting me. Hey, Odogu. Je ne peux pas imaginer ce que je suis. Imagine demain, mes deux conteneurs vont arriver en provenance de Thaïlande. Bah, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, mais tu pensais que j'étais en train de blaguer. Je pensais vraiment que tu étais en train de blaguer. Vous, suceurs de sang. Oh, vous êtes là. Vous êtes là en train de célébrer la mort de ma sœur. Vous êtes en train de célébrer votre victoire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pouvez pas tuer ma sœur, mon unique sœur, et vous en tirer facilement. Vous ne valez que de menteurs. Moi, Joy, je dirais personnellement au monde entier que tu es une meurtrière. C'est même pas vous. Vous deux, vous verrez. Tu vas attendre mes nouvelles. Démon. Idiot. Oh, Dieu Tout-Puissant. Mon amour. Ne me dis pas ce qui s'est passé et tu ne t'es pas même dérangé de m'informer. Vraiment, et je suis sûre que tu n'allais même pas m'appeler si je n'avais pas fait ça en premier. Oh Dieu. Ah. Et comment c'est arrivé? Ah, je suis vraiment désolée, mon chéri. Je suis tellement désolée. Ah, je suis sincèrement désolée. Ah, juste que je suis de cœur avec toi. Ah. Oh. Oh, je vois. Ah oui, je vis ton fils Jerry aujourd'hui plus tard dans la... En train de courir comme si quelqu'un qui a perdu la tête. Oui, j'ai essayé de le stopper, mais il a refusé. Tu connais à quel point ils peuvent être têtus. Il ne m'a même pas écouté, il m'a même prévenu de ne pas l'approcher. Oh, je ne savais pas. Si tu me l'avais dit bien avant, bien sûr, tu sais que j'allais vraiment le stopper. Oh, voyons mon amour, je suis vraiment désolée. Ah, essaie juste d'être fort. Tu es un homme. Ok, je sais, tu es un homme. Juste sois fort. Écoute, je viens m'occuper de toi, ok? Oui, je pense que je viendrai demain. Ah, bien sûr. Tu sais que tu peux compter sur moi et je serai toujours là pour toi. D'accord, bébé. Voyons, juste sois fort. Je t'aime. Et tu me manques aussi, tu le sais. D'accord, chérie. Tu dis. Ah, ok.
Bye. Maintenant, Naomi Obara, bientôt tu deviendras une femme mariée. De maintenant, tu t'appelleras Naomi Chileberé Ogechuku. Oh, enfin. Attends, je veux dire, c'est vraiment la main puissante de Dieu. Devrais-je dire gloire à Dieu ou gloire à Aisément? Oh, peu importe. Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Toi encore. Calme-toi. Je ne suis pas ici pour t'énerver. Je suis ton ange gardien. Je suis ici pour t'emmener dans mon royaume. Viens. Viens, mon fils. Viens. Viens. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Odougou. La raison pour laquelle je t'ai invité dans ma maison est que j'ai trop peur. Je ne comprends toujours pas exactement. Les paroles venant de ma belle-sœur et celles de mon fils. Et comme tu sais, il n'est pas stupide. Je m'inquiète beaucoup pour ça. Si jamais ces gens parlaient à la police, tu sais ce que ça veut dire? Je suis fini. J'y pense sans arrêt. Donc tu es inquiet à propos de la menace en l'air d'une femme, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Bientôt elle ne sera plus un problème. Car une fois qu'on en aura fini, tu vois cette... ta belle-sœur et ton fils, tu devras les éliminer. Exact. Regarde l'argent qui n'arrête pas de jaillir. Qui est-ce qui va en profiter? Tu devras les éliminer tous. Tuer la femme. Exact. Si c'est ce qu'il faut que tu fasses pour que tu aies la paix. Ou prépare-toi à faire face à la police et à leurs investigations. Et tu sais ce que cela veut dire. Comment je vais m'y prendre? S'il te plaît, Desmond, tu dois m'aider. Il faut vraiment que tu m'aides. Partons et trouvons une solution. S'il te plaît. C'est ça qui s'est exactement arrivé. Ezewine, Amouma Mary. S'il te plaît, ma mère, j'ai besoin de ton aide. Je veux que cette femme Joy et mon fils soient silencieux pour toujours. Ils deviennent gênants pour moi. Tu n'as vraiment rien à craindre. Tu y es, mon fils bien-aimé. Alors ne sois pas effrayé. Tu es irréversible. Aucun homme sorti des entrailles d'une femme peut te détruire. Et aucun mortel ou immortel peut te tuer. Tu as 155 ans de vie sur cette terre. Et 28 Ezekiel nounous sont en train de te protéger. Quand le combat arrivera, utilise ton staff. C'est le staff d'autorité. Utilise-les pour commander tout ce que tu souhaites et tout ce qui peut venir vers toi. Va et réjouis-toi de ta richesse. À ne pas oublier de payer ton taxe qui t'est recommandée. Chodobere, Okechuku, tu es mon fils. Et aucun mortel, aucun immortel peut te tuer. Va-t'en! Ezewan Yao, merci infiniment. Allô, monsieur le commissaire. Oui, bonjour, messieurs.
Oui, je vais bien. Je crois que vous allez bien aussi. Oui, comment allez-vous? Ok, bien. Oui, vous savez, je devais finir ce dont je vous avais parlé hier. Avant, la connexion était mauvaise, alors l'appel avait été interrompu. J'ai dû m'engager, je suis désolée. Oui, j'aimerais commencer par où je me suis arrêtée. Oui, monsieur. Comment? Oui, je sais de quoi vous parlez. Mais monsieur le commissaire, j'ai besoin de vous maintenant plus que jamais. Oui, le mari est au courant de tout et j'en suis sûre. Vous savez comment j'étais proche de ma sœur. Non seulement ma sœur, mais aussi ses enfants. Je ne fais ça pour aucune raison, mais je te dis ce que je sais. Peu de temps avant, ses enfants étaient venus dans ma boutique. Et ils m'ont tout dit. Ils m'ont dit comment leur père... Il abusait d'eux. Il était pratiquement... Non, commissaire. Vous êtes mieux placé pour mettre fin à... Oui, maintenant vous avez compris. Ils m'ont dit comment il était en train de tabasser, comment il... Exactement. Oui. Oui. Alors, après me l'avoir dit, ma sœur avait confirmé cela. Pas seulement le... Oui, elle m'avait dit que son mari la frappait pratiquement tous les jours. Comme un sac de boxe, oui. Et les enfants m'ont même parlé du cauchemar. Ils m'ont dit que, oui, dans un rêve, ils ont vu leur père pointer une arme sur eux. Non, non, ne le voyez pas comme un rêve. Après me l'avoir dit, le jour suivant, j'ai entendu que ma sœur et son fils mourut dans la même maison. Je veux dire, ne vois-tu pas? Oui, c'est comme si c'était... Dieu merci. Je suis contente que tu aies maintenant compris. D'où je viens? Oui. Je n'ai plus revu le garçon. Je ne l'ai plus revu. J'ai cette sensation qu'il est aussi mort. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ferai tout ce que vous allez me demander. Je le ferai. S'il vous plaît. Cet homme est un meurtrier. Et je peux le prouver. D'accord, dans ce cas, je viendrai dans ton bureau. À la première heure demain matin. Oui. Donc, une déclaration officielle. Merci beaucoup. Bye. Ces bâtards. Il pense qu'il peut tuer ma sœur et s'en sortir comme ça. Aïe! Oh mon Dieu! Oh, ça doit vous être incroyable! Tu veux dire? Tout ça, c'est pour ça, moi. Ça, c'est ta voiture. Regarde. Viens juste jeter cette UST. Ah! Les belles! On c'est l'a pour fait. Nous! Hey! On l'a fait! Oh! Oh mon Dieu, mon amour! C'est ça, possible. C'est. Oh, je l'adore! Ça, c'est trop petit comparé à ce qui vient. Ça, c'est trop petit comparé à ce qui vient. Tu vois, mais je te l'ai dit. Devrais être fière. Tu es maintenant si fière que je t'ai conseillé de rejoindre le business de ton ami. Tu sabotais cela, non? Tu me disais, je vais créer l'argent avec mes propres business. Tu je as vu ça? Pas. Maintenant, tu es compté parmi les milliardaires. Oh. Hey! Bébé, on l'a fait. On l'a fait. Ça oh, a mon été Dieu. Bien fait. Tu vois? Oh, bébé, je serai vraiment respectueuse. J'aurai ma propre voiture. Voilà comment on est devenu. Oh, bébé, attends, où est la clé? Où est la clé? Les où est la clé? Clé. Oh. Regarde-moi ça, bébé. Tu ne trouves pas que je dois justement changer ma couleur de la peau? Hein? C'est vraiment joli. Ça, c'est le 1. Ce n'est pas vraiment le moment de le faire. À tout moment, tu es en train de le faire. Ferme le téléphone. Voyons, bébé, pourquoi tu dis comme si ça nous distrait? Je sais juste de te dire... Et je veux te dire quelque chose. Quoi? J'ai envie. Ah, bébé, stop, arrête. Oh, t'es on part au lit. Je me rappelle de quelque chose. Bébé,
Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas pour l'argent. Je crois qu'il est temps que tu partes voir mes parents, que cela devienne officiel. Voilà vraiment. Tu es, parfois, quand tu parles, tu parles comme si quelqu'un t'a envoyé. Bébé, je ne comprends rien. Je pense que tu es une bonne femme. Bien sûr, je le suis. Une bonne femme connaît les caractères de son mari. Je vais bien sûr faire de toi ma femme, bientôt. Mais je ne vais pas aller là-bas. Tu veux vraiment commencer ce sujet avec moi? Oh, bébé, ça c'est vrai, oh. Ah, je suis vraiment désolée, je n'ai pas pensé à ça, je suis désolée. Ah, c'est vraiment vrai, je ne peux pas le permettre. Mais alors, bébé, tu sais, je ne vais pas te perdre. Je ne veux pas que le fils de Lagos te mette loin de moi. D'autres gens ne sont pas contents quand ils me voient. Ce n'est pas si drôle, non? Qu'est-ce qui est si drôle? Penses-tu vraiment que je ne m'imagine pas cela? Dis-moi. Penses-tu? Dis-moi. Ça m'arrive. Tu sais tous ces garçons qui tournent autour de toi. Laisse-moi te dire, malgré tout cela, ça, ce que moi j'aime, oui, c'est pas toi qui m'intéresse. Hein? Je ferai tout ce que je veux. C'est toi, tu ne crois pas. Regarde-toi. Ah oui. Non, ça va bien se passer. Vraiment, bébé. Et cela me rappelle à propos de cet appartement. Ah, bébé. Je veux dire, je pense qu'on doit avoir un autre appartement. Parce que depuis, c'est le même appartement que tu habites avec ta famille. Je ne veux pas que quelque chose de mal, quelque chose d'horrible est arrivé. Je ne supporterai jamais ça. Je sais, ne t'inquiète pas pour ça, ok? À ce sujet, tu as raison, tu as vraiment raison. Mm-hmm. Laisse-moi te choquer. Dis-moi. Tu me pousses à te révéler des choses. Hein? Je veux te donner... Je vais t'expliquer un truc. Ah, oh, je suis sûr que ça va te choquer. Bébé, s'il te plaît, dis-moi, je suis impatiente, dis-moi. Hein, vas-y. Ok. Ah, j'ai acheté une nouvelle maison. Tu mens. C'est la vérité. Ah, bébé, arrête, non, bébé, arrête. Arrête, juste dis-moi la vérité. Non, je suis vraiment sérieux. J'ai acheté une nouvelle maison. Bébé. Oh, mon Dieu, oh, bébé. J'ai acheté une nouvelle maison. Oh, bébé. Oh, bébé, attends. Tu as acheté une maison juste pour nous? Uniquement pour nous. Donc bientôt on quittera cette... Même petite histoire. Oh bébé, attends, donc tu... J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. J'ai beaucoup d'argent. Bébé, quand est-ce qu'on déménage? Je ne peux pas attendre, je suis même pas si on se dévouvre dans notre propre maison. Quand nous est-ce allons qu'on quitter immédiatement. On va aller dans notre nouvelle maison. Oh, waouh! Tu vois, je ne peux pas attendre, ça veut dire. Tu sais quoi? Je ne peux pas attendre d'être considérée comme madame. Guinego! Officiellement, la femme du patron! Oh, voyons! Ah, ça va te plaire, oh! Comme dans le bon moment vraiment. Ou dans le mauvais moment. Tu sais quoi? Alors, dis-moi. Tu sais qu'il est temps de changer. Bien sûr! C'est les temps. Qui part en premier? Que Joy parte en premier. Ensuite, Jerry pour finir. Et c'est Wanya Mouma Meri. Mumba. Et c'est Wanya Mouma Meri. Mumba. Eze wanya muma miri. Mumba.
Une de morte. Passons au deuxième. Bien, qui part ensuite? C'est le temps pour Jerry. Ezewanya Mouma Mere. Mumba, Mumba. Ezewanya Mouma Mere. Mumba, Mumba. Ezewanya Mouma Mere. Mumba, Mumba. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est impossible. Et qui dit ce qui ne va pas? Ton garçon là est maléfique. Je crois qu'on doit amener ses problèmes chez Ezewanya Mouma Mary pour qu'elle en finisse une fois pour toutes. Je suis sûr que tout va s'arranger. Rien n'est plus puissant devant le Ezewanya Mouma Mary. C'est là où qu'on doit partir. Oh, oh mon Dieu! Bébé, cette maison est toute à nous! Je t'avais dit que je vais te surprendre! Je te l'avais dit! Oh. Voilà, wow. C'est lui le gardien! Bébé, c'est tellement joli! Madame, bienvenue! Monsieur, bienvenue! Merci! Bon, bienvenue à vous! Hein. Oh, allons à l'intérieur, bienvenue, je vais tout voir! Hey. Oh bébé! Oh! Oh, bébé, oh, oh, wow, c'est trop joli, oh. Tout est parfait, Baba, oh. C'est parfait. Patron, bienvenue, oh. Bienvenue, patron. Hey, quelle belle maison. Hey. Une jolie maison comme ça, et c'est moi qui vais surveiller tout ça. Sentinel dit une très belle maison comme ça. Quelle belle maison. Hey. Une grosse maison comme ça. Hey. Je suis la sentinelle d'une belle maison comme ça. Hey, je suis très fier. Une belle maison comme ça. Hey, hey. Enfin, j'ai eu un boulot dans une belle maison comme ça. Regardons ça. Oh, de toute façon, je l'apprécie. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, bébé, c'est la dernière fois. La dernière fois. Regarde-moi. Bébé. Hey! Chidebere, Chidebere, c'est ça ce que tu fais. Maman, tu dois appeler avant de venir chez moi. Ok, dois-je t'appeler? Dois-je t'appeler et t'informer que je compte venir dans la maison de mon propre fils? Chidebere, donc c'est ce genre de choses que tu fais. Que fais-tu avec cette chose? S'il te plaît, c'est quoi ça? Regarde là, elle essaie aussi de parler. À qui tu parles? Hein? Cette femme inutile, que fais-tu avec elle? Maman, je ne veux pas ça! Je ne veux pas ça! Hey! Mais pourquoi tu dégages, ma chérie? Peux-tu imaginer? Maman, retourne là où tu viens. C'est vraiment ce que tu fais. Maman, rentre, maman. Oh, tu me cherches de ta maison à cause de cette Va chose. Va-t'en, tu te déranges les gens. Je quitterai. Tu dis bien, je quitterai ta maison. C'est ça vraiment le problème. Jusqu'à ce que tu aies l'audace de dire à ta propre maman, de quitter ta maison, c'est pas un problème. Je partirai. Mais pour ton information, je suis venue te dire que Joy est morte. Tu t'étonnes? Je partirai. Et laisse-moi aller dire à tes oncles que tu m'as chassé de ta maison. À cause de cette chose. Bye. Ferme imbécile. La porte. Sale pute. Tu n'as aucun sens. Écoute, tu sais... Non, s'il te plaît. Juste laisse-moi tranquille. Calme-toi. Se calmer pourquoi? Juste imagine les insultes. Imagine comment ta mère m'appelle de tous les noms. Parce qu'elle connaît tout de toi. Cela ne change pas le fait. Elle ne t'apprécie pas. Écoute, ma chérie. Après que je quitte Liberia, c'est juste une semaine. Juste après Liberia, nous allons aménager de notre parcelle. Ok? Ok. Bébé, imagine qu'elle m'appelle inutile et elle mettra de tous Calme les noms. Calme-toi. Bébé, c'est parce que c'est ta maman. Tu sais quoi? Hein? Je vais t'amener là où tu veux. Ah, bébé, c'est pas comme si tu vas me donner des cadeaux, l'argent. Quelque chose d'intéressant. Oh, bébé, arrête. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Hein? Bien. Tu veux une nouvelle voiture? Ah, bébé. Maintenant, tu es fortifié. Fortifié? Oui, mon fils.
ta tante Joy est morte. Tante Joy? Oui. Mais je t'ai donné le pouvoir de te venger. Maintenant, va te venger. Va te venger. C'est quoi ça? Confesse. Es-tu prête à confesser? À qui est-ce que vous parlez comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Venez, non? Mais je comprends plus rien. Qu'est-ce qui va pas ici? Oh? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? Revenez, non? Qu'est-ce que vous faites comme ça au juste? Ezewan, s'il te plaît. Ah. Il nous poursuit, s'il vous plaît. Ce garçon nous poursuit. Ezewan, il est là. Je t'avais dit que je reviendrais pour toi. Et voici le moment. Souviens-toi de ce qui s'est passé la fois passée quand tu es venu visiter ma chambre. Je suis Okinebo. Je suis indestructible. Tu ne peux pas me tuer. Ezewai! Ewe! Je t'avais dit que tu seras vaincu. Tu as fini ma vie. Tu as détruit ma famille.
Toi, tu me connais bien, mais tu as détruit ma famille. Pourquoi j'ai suivi tes pas? Pourquoi je t'ai suivi, toi et cette sorcière? Maintenant, regarde là où je suis. Desmond. Desmond. Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je suis ton père. Si tu as besoin de me tuer, eh bien tue-moi. Oui, tue-moi. Qu'est-ce que tu attends? Eh, tue-moi. Tu ne veux pas confesser. Confesser quoi? Va confesser au monde entier. Hé! Je quitte cette maison. Ah! Hey, tu dis c'est fini. Je ne peux plus rester ici. Ah! Je m'en vais de cette maison. Qu'est-ce que c'est? Avant que tu me tues, avant que je meure, j'en ai fini avec toi. J'ai fini avec toutes choses dans cette maison. Je dois quitter. Je ne veux pas mourir. Ah! Bêtise. Ah! Je dois partir avant que je meure ici. Hein? Hey! Pour être grand dans la vie, il faut savoir rebondir. Hein? Agave Gifre. Nous coupons mon chief. Ogam. Parce que nous avons un bon temps. Nous avons dit que nous avons un bon temps. Ah, nous avons un bon temps. Le patron est parti, sa femme aussi. Ils ont laissé toute cette maison à moi. Moi seul. Et mon patron aussi. Ah, cet homme-là, il en fait trop. Même sa femme aussi, elle aussi est partie. Ils m'ont laissé toute cette maison-là. Ah, quelle gentillesse. Il y a encore des gens comme mon patron. Ah. Et je sais que quand ils partent, comme ça, à leur retour ici, tout ce qu'ils vont amener, ils auront aussi de choses, de valeurs. Aïe. Qu'ils vont amener pour moi. Aïe. Confesse. Je veux confesser, s'il te plaît, ne me tue pas, je veux confesser. S'il vous plaît, je suis désolée. Je suis la cause de tout ce qui s'est arrivé à mon meilleur ami. Je suis navrée. Oui, c'était moi. C'est moi qui étais à la base de tout. Je les ai tous tués. Je suis arrivée même à convaincre Tilly d'adhérer aux affaires de Desmond. Ah, maman, moi, je suis désolée. Oh. La honte sur toi. Laisse-moi. Everything is okay for you. This world is vanity upon vanity. C'est pas possible. Confesse ton péché maintenant. Confesse ton péché maintenant. Passe, s'il te plaît. Il est là. Mon fils. Hey. Toi, homme mauvais. Toi, suceur de sang. Êtes-vous prêt à confesser vos péchés maintenant? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Confessez maintenant. On ne peut pas faire ça. J'ai tué ma femme. Hey! J'ai sacrifié mon fils pour les rituels. Hey! Non, je n'ai pas fait ça. Mon ami m'a amené chez Ezewai. Ezewai à Mwambiri. Hey! C'est méchant ça. Hey! C'est méchant. Oh. Hey!
Mère, ah, mère, ah, rien à faire. Une méchanceté. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment méchant. Toi, esprit maléfique, peu importe d'où est-ce que tu viens, tu ferais mieux de quitter cet endroit, car tu as finalement réussi à les confondre. Comment oses-tu? Je dis, comment oses-tu défier la reine mère? Je t'ordonne, par la puissance de Dieu, par le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, je t'ordonne de quitter cet endroit au nom puissant de Jésus. Amen. Quitte cet endroit au nom puissant de Jésus. Amen. Quitte cet endroit au nom puissant de Jésus. Amen. Que le feu te consume en ce moment même. Amen. Que le feu te consume. Le feu! Le feu! Le feu! Merci Seigneur. Merci, merci mon Dieu. Merci. Jésus, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Viens, mon fils, et rejoins Dieu. Avec moi et l'Église, nous allons redonner un sens à ta vie. Tout ce dont tu as besoin dans cette vie, nous allons absolument te le donner. Tant à l'école secondaire jusqu'à l'université. Et je te le promets, je vais tout faire pour savoir où ta grand-mère se trouve. Je ferai ça. Exact. Quel que soit où elle se trouve. Je vais m'assurer de la retrouver. Merci, et ne t'en merci, fais pas, merci, tu la verras. Pasteur. Tu la verras. T'en fais pas. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour toi. Hein? Tout ce que tu veux dans cette vie, aussi longtemps que nous sommes encore en vie, moi et l'Église, nous assurons de te le procurer. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Everything is okay for you. Even lose on even at two son ewu. This world is vanity upon vanity. I'll be for the metal over this year. You eat today, forgetting tomorrow. If you live today, you must surely die tomorrow. You see, this life is vanity upon vanity. Up even your metal, oh, well, see away. Must you kill just to make money? Must you shed blood just to survive? You see, this life is vanity upon vanity. I'll be for the better, Lord, oh, well, this is our way. In this life, if only metal,
chase upon